Salut les gamers et les gamers! On se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play à la volée de Batman Return sur Super Nintendo sorti en 1906. Non, je rigole. Je ne sais pas en quelle année c'est sorti, je n'ai même pas regardé. Donc écoutez, on va se lancer ce petit Batman qui, je pense que celui-ci de titre Batman Return était un bon Batman, donc on va le savoir tout de suite. Je suis pas fan de la série Batman, mais enfin bon, pourquoi pas en faire un petit let's play, juste au moins pour s'amuser tout simplement. Donc c'est un jeu de plateforme. Ah non, c'est un beat'em all, d'accord, à la double dragon. Passez les enfants, passez. Je leur casser la bouche. Oula, pouf, ouais d'accord, je pense que c'est un Batman. Ah ça y est, il commence à taper, quand même. À coup de boule, à coup de pied. On dirait des jokers, des pierrots, quoi. Allez, barrez-vous les enfants, laissez faire Batman. Il est lourd quand même, hein. Au déplacement, il est super lourd. C'est un Batman qui a bouffé du. Bon, il va falloir l'éclater, lui. Voilà. Allez, bim bam bam, à coup de bouffe, je vous éclate, mes petits amis, viens ici, toi, terre, ramasse ta face. Ouais, on va dire qu'il est amusant. Allez, on va dire ça. C'est pas non plus le jeu du siècle, hein, mais enfin, pour ceux qui aiment Batman, je pense qu'ils s'en contenteront. Je pense qu'il faut quand même être fan du super-héros. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, parce que moi les Batman c'était vraiment pas mon truc. Bon, lui il commence à m'emmerder là avec sa moto là, cette tête de yek là. Je vais te crever. Oh putain. Et les boutons, ils servent à quoi? Les boutons, ça fait 2 heures que j'essaye de chercher les boomerangs. Oh, il a éclaté son collègue. T'es content d'avoir des amis, toi? Allez, allez, allez. Allez, on se fait démonter. On se fait démonter. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. En fait, il est super lourd, le Batman. Les déplacements, ils sont super lents. On a l'impression qu'il pèse 1,5 tonne, le bordel. Ou alors, c'est un déguisement en plomb, je ne sais rien. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd le chose! Et lui, c'est une punition ce mec en moto là! Toi, dégage avec ta merde là! Ah putain! Ah, lui, il me casse les couilles! Hein. Ah, et en plus, c'est limité les boomerangs là! Voilà! Putain, en plus, il est pas solide le machin, tiens, voyez! Un boomerang il dégage. Attention madame que je vous mette pas un coup de pied bouche. Hein. Oh d'accord, d'accord. C'est Noël, c'est Noël. Petite vitrine de Noël. Ouais, j'en suis pas fan, hein. C'est vraiment un petit let's play à la volée, mais je suis pas fan de ce Batman, mais bon, c'est quand même bien de pouvoir les essayer, de voir un petit peu à quoi il ressemblait, puisque même moi je ne l'avais jamais essayé ce jeu, en fait, c'est la première fois que j'y joue, mais bon, je pense que pour l'époque ça devait rentrer quand même dans nos frais, je pense. On va dire qu'il était quand même pas mal fait, Batman est assez bien représenté, enfin voilà, donc mais bon, ça manque quand même de souplesse, j'ai envie de dire.
Allez, faudrait que j'arrive quand même au premier niveau. Pour au moins. Oh, toi, et toi, va cracher du feu chez ta grand-mère, toi, ça nous arrangerait un peu. Râle. Fils. Oh, quoi, il commence à me péter les rouleaux, lui. Casse-toi de là. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. D'accord, casse-vous de là, putain de merde. Vous avez commencé à me fatiguer tous là. Allez, on n'arrive pas encore au boss de fin de niveau. Allez, toi tu dégages. Oh putain, ils sont combien là, les travestis là. Pff, une claque et au lit. Tiens, t'éclates moi. Qu'est-ce qu'il y a? Comme une vieille bouse. Tiens, casse-toi. Hop là, une petite chauve-souris. La poubelle, à mon avis, on doit pouvoir la ramasser. Oh putain, oui, il va pas falloir que je me laisse choper par ces gros tas. Je pense que ça va faire mal. Birim, birim, bam, bam. Allez, bande de mangeurs de pizza. En fait, les personnages, je sais même pas à quoi ils correspondent dans les épisodes ou par rapport au film. Parce que bon, il y a eu quand même des films, donc même dans les comics, je sais même pas à quoi ils correspondent, ces personnages. Par contre, ils me bandent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'ils me bandent. Allez, ouais, j'ai trouvé la technique à coup de pied. Voilà, voilà, voilà. Yeah, premier niveau. Bon, mais écoutez les amis, on va se quitter là, parce que là, le premier petit let's play à la volée de Batman Return sur Super Nintendo. Allez, salut à tous, salut à toutes, bye bye.